la culture tient une place unique dans le développement. Terreau d'identité collective, vecteur de lien social et levier économique. Au Cameroun, l'AFD s'engage dans ce secteur à travers deux projets phares. L'appui au développement du musée national de Yaoundé et le soutien à la route des chefferies, réseau d'acteurs œuvrant à la promotion du patrimoine de la région Ouest. Deux projets qui convergent vers trois objectifs communs. La conservation et la valorisation du patrimoine culturel, artisanal et naturel. L'apport de réponses aux besoins d'équipements et d'infrastructures culturelles et le renforcement de capacités des acteurs du patrimoine. À travers le dispositif Accès Culture, l'AFD soutient également deux binômes franco-camerounais porteurs de micro-projets culturels au service du lien social. Des actions qui concourent à la préservation du patrimoine, à l'amélioration de son accessibilité auprès du public et au renforcement de l'attractivité des territoires. Le travail que nous menons grâce au soutien de l'AFD nous permet dans un premier temps de consolider l'existence, c'est de renforcer, c'est de donner une fondation solide à la RDC, à la route des chefferies et aussi à l'Office régional du tourisme qui est aussi un des bénéficiaires. Ça permet un déploiement sur le territoire, ça permet de renforcer l'attractivité du territoire par la diversité des investissements qui sont effectués. C'est un secteur qui est négligé pourtant. Le Cameroun a une diversité, une richesse culturelle incroyable, a un patrimoine naturel très riche qui fait qu'un investissement massif dans ce secteur répondrait aussi à la création des emplois, aux besoins d'emploi, et c'est tout secteur d'activité parce que la culture, l'industrie culturelle couvre aussi a des conséquences sur le développement touristique, par exemple. Il se dit hein, par des différents acteurs, que ce soit l'AFD, que ce soit l'Union européenne ou autre, on dit pas de culture, pas de futur. Hein. Un peuple sans connaissance de sa culture n'a pas d'avenir. On ne peut pas partir de ces constats et après, dans les politiques publiques, oublier ces constats qui sont très importants. Je pense que le travail que nous avons commencé avec l'AFD est une réponse forte, exceptionnelle, inédite, qui dans les prochaines années, va porter ses fruits. Et quand je dis prochaines années, c'est le travail que nous menons avec l'AFD, c'est dans un an, deux ans, puisque nous sommes dans vraiment l'opérationnel.